Hop, salut tout le monde. On commence avec, il faut l'enlever lui, le On va en enfer, c'est Antoine qui nous a mis ça, mais c'est vrai, on y va, on a l'impression que, alors non, on n'y va pas vraiment parce que, ça y est, la justice a finalement dit que c'était pas la peine d'obliger à mettre des masques dans la rue à Paris et en région parisienne, donc hop, ça c'est à la porte. Vous avez vu, hein, tout ce qui est campagne de vaccination mondiale, ça commence un peu à se ralentir au bout de la troisième dose, hein. Israël, la Suisse, la France, les gens ont du mal à se dire 2, puis 3, puis 4, bof, bof, pas vraiment, et puis Omicron arrive, et là on va en parler ce matin, vous allez voir, c'est la fête à la saucisse, c'est la fête au virus, tout va bien, et puis nous on a de la chance quand même en France, outre le fait qu'on a la revue de presse du Monde Moderne, hein, tous les matins à 9h ou presque avec... avec Maggie qui est très 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 en voix ce matin, n'est-ce pas Maggie? Oui, tu veux chanter une petite chanson? Oui, d'accord, merci beaucoup. Voilà, elle est très contente. Elle est très contente de vous retrouver chaque matin, comme moi d'ailleurs. Oui, oui, tu veux, je te laisse faire. Il n'y a pas de problème, tu prends les commandes. Et donc, quand même, on ne pouvait pas commencer sans la fantastique vidéo de Caisse de Grève. Caisse de Grève, je vous invite à le suivre sur Twitter. C'est un compte très drôle qui fait des petits résumés en vidéo de ce qui nous arrive dans le sketch qui est devenu notre réalité. Et voilà le sketch Olivier Véran, triple vacciné. Alors, il a tout fait, hein, AstraZeneca, Moderna, Pfizer... Et omicroné ou deltaïsé, je ne sais pas, mais regardez, c'est une tragédie en trois actes, ou presque. La menace du variant Omicron, très très contagieux. Nous le freinons aujourd'hui avec succès, je le dis. Le vaccin, lorsque vous êtes en jour de votre passe, il réduit de 85% le risque d'infection, y compris à Omicron. 85% de risque d'infection en moins. J'ai la gorge qui est sèche, rassurez-vous, au bout d'une heure et demie, c'est pour ça que je toussote. Merci. Ce matin, il a ressenti des premiers symptômes légers, autotest, puis test antigénique, et les deux se sont révélés positifs. C'est génial. J'ai un peu la gorge sèche, c'est pour ça que je toussote. Ouais. Bah ouais, t'as fait du Sénat un cluster géant, mec. Bravo à toi, t'es ministre de la Santé, faut dire que c'est un job pas facile, hein. On l'imagine chaque matin, faut voir, on est en guerre quand même. Qu'est-ce qu'on va faire? On est en guerre. Alors, on va faire un pass vaccinal, parce que quand même, la preuve, hein, c'est qu'à trois injections, ça protège quand même super bien, hein, du fait de ne pas être positif, de ne pas le transmettre et tout. Alors, bien sûr, on ne fait pas des formes graves, nous dit-on, et puis tout ça. Mais quand même, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et personne dans la salle, que ce soit au Parlement européen, à la Commission, ici, à New York, chez Fauci ou ailleurs, pour dire, hey,
On va peut-être revoir les contrats avec le père Bourla, là. Ton truc, là, c'est, tu nous as vendu ça à 95% de trucs qui marchaient. Hein. On est passé à 70%, là, on passe à tout le monde, là. Qu'est-ce que c'est, ce truc? Pourquoi ça nous a coûté aussi cher? Tout. Alors, vous allez voir les... Enfin, c'est pas dans la presse ce matin, mais toutes les actions de Moderna, BioNTech, etc. sont en train quand même gentiment de dégringoler. On se rend compte que les investisseurs ont compris, hein, restent maintenant aux autres à comprendre. Mais c'est génial. Ah bah Fauci, il est quand même, c'est celui qui a l'air de rien, fait en sorte qu'il y ait des augmentations de virus, hein, pour la recherche sur les coronavirus à Wuhan, hein, en passant par l'EcoHealth Alliance. C'est un petit peu compliqué, mais en gros, il est un peu responsable du merdier. Et après, il t'explique que c'est bien, etc. On est bien dans la merde, en vrai, c'est assez génial. Et comme on est en guerre, et rappelez-vous, ça fait quand même quelques temps qu'on est en guerre, bon, on a un président, hein, qui est un chef des armées, qui est à la tête de cette grande armée contre le Covid. On se rappelle, bien sûr, d'Emmanuel Macron devant cet hôpital de campagne, hein, sur le parking du Lidl, nous dire « Nous sommes en guerre ». Puis ensuite, il a eu sa voix très grave pour dire « C'est pour ça que je vais rendre quasiment obligatoire la vaccination, sans la rendre obligatoire, parce que je ne voudrais pas être responsable si jamais ça merdait ». Et puis là, eh bien, notre président, notre lumière, notre guide suprême, celui qui mène la guerre contre le virus comme aucun autre leader ne l'a fait dans le monde, eh bien, il s'est quand même pris un peu de bon temps et il a découpé la galette à l'Élysée. Alors c'est traditionnel, hein, c'est la grosse galette, vous avez vu, elle est énorme cette galette. Et pour cause, chaque année vous avez un artisan choisi, alors au prix du beurre, hein, vous savez, la galette, ça coûte, c'est un objet de luxe maintenant, hein, c'est 50-70 euros la petite galette pour deux. Là t'imagines la galette, je pense qu'elle vaut la capitalisation de Renault, hein, à peu près. Et là il coupe la galette, et en coupant la galette, c'est dans Paris Match, il explique: moi j'aime bien, hein, la France qui travaille et qui est silencieuse, hein. J'aime bien ceux qui ferment leur gueule et qui travaillent. On a l'impression avec Emmanuel Macron que c'est un peu pétain. Hein, c'est pétain, mais avec un costard étriqué, pas la petite moustache, pas la petite casquette, mais il aime bien travail, famille, patrie, tout ça. Il aime bien quand ça ferme sa gueule, le jour de la grève des profs, évidemment. Et là, il se coupe sa petite galette, tranquille, hein, alors que les événements galettes sont plutôt interdits dans les entreprises. Hein, mais bon, là, c'est pas une entreprise, c'est l'Élysée, c'est le palais de la République. Alors, vous savez que si jamais je me présentais à la magistrature suprême, j'ouvrirais tous les dimanches les jardins de l'Élysée pour un barbecue citoyen. Là, en l'occurrence, la galette reste entre soi. Hein. Alors, il faut savoir que dans la galette du président, il n'y a pas de fèves, hein, puisque c'est une tradition républicaine. Il ne faudrait pas qu'il y ait un roi à l'Élysée, même si Macron, cette année, il s'est dit « Tiens, si je foutais ma petite fève dedans, hein, avec un petit portrait de Brigitte en faïence, ou non, qu'est-ce qu'il aurait pu mettre dans cette galette ?» Moi, j'ai dit « C'est peut-être une petite fève... Du maréchal en faïence, maréchal Pétain, bien sûr, ça pourrait être lui, il s'aime bien, hein, ou ses petites initiales, ou le logo de la présidence de l'Union Européenne. Oh, c'est la fève, Brigitte, c'est la fève, c'est moi le roi. C'est encore moi le roi. Voilà, donc c'est vrai qu'on est en guerre, hein, on voit bien que c'est ultra tendu, y compris dans les hôpitaux, où les mecs te disent oui, c'est comme chaque hiver, en même temps, vous comprenez. Alors, il y a des pays qui ont compris, hein, l'Espagne notamment, qui a dit on va arrêter les frais, on va traiter ça comme une grippe, hein, parce que ça fait chier tout le monde. En France, non, on a Jean-Michel Blanquer qui se dit « Ouais, j'ai fait un protocole qui n'était pas super au point, mais comme vous avez rien compris, je vais le réexpliquer et je vais vous donner des masques en plus. » Voilà, vous serez contents. Bonjour tout le monde, c'est la revue de presse du Monde Moderne. N'hésitez pas dès à présent à partager le lien, bien sûr, de ce stream, à vous abonner partout, à mettre des pouces bleus, à dire que c'est génial. Vous le faites, je sais, j'en ai vu qui hurlaient dans la rue et qui avaient même ce magnifique objet de décoration corporelle, l'élastique à chibre, à mettre autour du poignet, bien sûr, puisque c'est un bracelet en plastique que vous pouvez commander auprès du Monde Moderne une fois que vous êtes généreux donateur. Pour ça, je vous expliquerai en fin de revue de presse comment faire. Les adorateurs du protocole, ouais. Enfin voilà, c'est quand même génial. Et alors, on apprend aussi quand même que la cinquième vague du Covid a fait bien du mal. Hein. Ça fait plonger la cote de confiance. Alors, il se rassure avec sa galette. Et alors, c'est dans les échos. Hein. Et pour voir la cote de confiance, regardez. Alors, elle est, en fait, elle fait ça, hein, c'est comme une mâchoire de requin, c'est des dents, et donc elle est à 32%, donc en fait, c'est toujours pareil, hein, depuis 2020, il est à ça, hein, il bouge pas, alors un peu il monte, un peu il descend, et tu te dis, ah, bon, Jean Castex, lui, il a dégringolé, puis bon, il reste là, j'ai un cluster, hein. Alors, elle aime bien, j'ai un cluster, donc, toujours là, mais juste
Pour rappel, n'hésitez pas d'ailleurs à partager ce sondage qu'on a fait sur les réseaux, hein, 34 369 votants, 10% d'abstention. Et au deuxième tour, si Emmanuel Macron était face à Tabouret, vous étiez 88% à voter pour le Tabouret. C'est un plébiscite, c'est incroyable même comme chiffre. Donc il faut voir, c'est tout relatif, hein, ces codes de confiance dans la presse des milliardaires. C'est aussi pour ça qu'on fait la revue de presse chaque matin, c'est pour en rire, parce que c'est vrai que c'est long. Hein. Je sais, il y en a qui ont de plus en plus de mal à rigoler, ils se disent non mais bon, le ministre qui tout saute, Macron tout ça, quand même, qu'est-ce qu'on va devenir ? Taubira Tabouret, oui, ça pourrait, on va parler de Christiane tout à l'heure. Christiane, oui ? Je viens présenter ma candidature samedi. Alors samedi, vous allez voir, ça va être le Taubira Show. Elle va lancer sa candidature et puis qui sait, hein, il a fallu un an à Arnaud Montebourg pour la débranchada, quoi. Paris Match titrait, hein, le 10 janvier 2021, l'épine dans le pied de Mélenchon. Montebourg lance sa campagne citoyenne, républicaine et souveraine. Bon ben, on voit ce que ça donne. Oui, Maggie, je suis tout à fait d'accord. Mais écoute, c'est ton choix de voter Macron. Ça, c'est ton choix. On en a déjà parlé, hein. Oui, je sais, il a fait des réformes importantes, notamment en matière de formation continue. Oui, mais c'est pas suffisant, hein. Et tu oublies les éborgnés, les gilets jaunes, tout ça. C'est Maggie, elle veut voter Macron. Donc voilà, elle réclame quelque chose. Non, je crois qu'elle a juste envie de parler en ce moment. Alors, excusez-moi pour les E, je sais que vous n'aimez pas ça, mais parfois nous sommes obligés, n'est-ce pas, de passer par des choses comme ça. Donc c'est la revue de presse du monde moderne, voilà, ça c'était juste la mise en bouche. Excusez-moi, je toussote, j'ai la gorge sèche. Mais c'est un sketch. Non mais, parce que moi, tous les matins, j'en rigole et j'en rigole avec vous et je trouve que c'est bien, ça permet un peu d'exorciser tout ça, mais à quel moment on peut continuer de prendre ça au sérieux ? Moi, c'est la vraie question que je me pose, tu vois. Quand t'as les mecs en plateau de télé qui arrivent avec les sondages de Macron à 32%, que t'as Véran qui revient après, en disant « Mais les gars, vous êtes des pipes intersidérales !» Enfin, et en plus, il y a très peu d'émissions comiques, en fait, pour en rire. Donc, imagine la force de frappe, une marionnette de Chiappa au guignol, s'il y avait encore les guignols. Mais imagine ! Enfin, c'est dingue, on est à un niveau de... En fait, il n'y a même plus besoin d'aller si loin, quoi. Il suffit juste de lire ce qu'ils racontent, de voir un peu ce qu'ils font. Et là, tu dis, boah, c'est un truc de dingue quand même. Hein? Eh ben non, les mecs, ils vont... Et là, alors c'est génial, parce qu'il y a Yael Braun-Pivert qui est responsable de la commission des lois à l'Assemblée nationale, l'AREM, hein, qui a dit, non, c'est un scandale institutionnel, parce qu'il y a Retailleau qui a tweeté pour dire, ah, l'Assemblée se plie au Sénat sur le pass vaccinal, qui aurait dû être mais chiffonné, mis en boule dans une corbeille brûlée, je sais pas, mais enfin les mecs ont passé quand même plus d'une semaine à discuter d'un truc qui sert à rien et qui est ultra dangereux, le pass vaccinal. Et après ils sont fiers d'eux. Et tu dis mais il y a une telle déconnexion, enfin, c'est pas possible. À un moment il va falloir qu'est-ce qui sera le réveil citoyen ? Alors ce sera pas un poème de Taubira, ça je suis d'accord. Ce sera pas non plus, je pense, une chanson nostalgique de Zemmour. Ah, c'était le Saint-Germain de ma jeunesse. Ah là-bas on avait bien des bougresses. Ah, tu vois, mais c'est pas forcément. Reggiani en campagne. Non, mais je suis inquiet. Hein. C'est tout ça n'est pas très sérieux. Je vous le dis tous les matins. Mais là, on a atteint un niveau qui, moi, m'inquiète. Hein. C'est-à-dire le coup de la Brigitte et les pièges jaunes. Alors, Brigitte qui a fait le trésor. Je pouvais pas faire la revue de presse. C'était Antoine hier, mais elle arrive. La propagande, mais au niveau stratosphérique, t'as l'hôpital qui s'effondre. Et là, t'as la première dame, hein, qui est une fonction qui n'existe pas dans la Ve République, qui arrive avec une énorme perruque. Alors, elle avait des cheveux comme on l'avait jamais vu. Tu vois, pouah, le truc comme ça. Oui, je suis là pour aider les jeunes. Et puis t'as le présentateur qui pose quand même cette rumeur hideuse sur le fait que vous allez porter plainte. Oui, mais ça prend du temps. Oui. Moi, ce que j'aime, c'est sauver les jeunes. Et putain, mais c'est quand la France est devenue un si petit pays, en fait ? Pourquoi on n'a pas plus d'audience, hein, sur cette revue de presse ? Parce que franchement, je pense que ça pourrait... L'humour est une...
C'est important, voilà, de dire à un moment, mais enfin, c'est pas sérieux tout ça, les gars. Et tant mieux, moi je préfère, hein, plutôt que d'avoir, tu vois, si je faisais ça en Corée du Nord, c'est sûr je pourrais pas le faire. Hein. Donc oui, on est encore en démocratie, vous voyez, on peut se moquer du président qui coupe sa galette tout seul à l'Élysée, hein, et de la première dame. Non, attention quand même. Enfin, tout ça, c'est, voilà. Voilà, allez, revenons aux choses sérieuses. Vous savez, ici, tous les matins, nous analysons la presse des milliardaires. Nous allons donc commencer par le Canard à Nanar, le Parisien aujourd'hui en France. Alors lui, il est bien sur la ligne, hein, puisque Bernard Arnault, le Français le plus riche du monde, c'est lui qui est propriétaire de la marque Emmanuel Macron. Donc là, il se dit quand même, il y a un petit problème sur ma marque, c'est que niveau pouvoir d'achat, c'est un peu la loose. Donc en couverture du Parisien aujourd'hui, alerte sur le pouvoir d'achat. Le carburant n'a jamais été aussi élevé, même depuis le mouvement des Gilets jaunes. La baguette, même si Édouard Leclerc fait du low cost à 29 centimes en foutant dans la merde boulangers, artisans, producteurs de blé, bref, tout le monde, parce qu'une baguette, bah, ça coûte pas 29 centimes, hein, même avec tous les efforts que tu peux faire, c'est compliqué d'arriver à ce prix-là. On se rend bien compte que tout coûte très cher. Et le logement, n'en parlons même pas, c'est devenu un poste qui grève les budgets de toutes les familles, avec en plus l'inflation qui arrive et qui va foutre en l'air toute l'épargne que vous auriez pu mettre de côté à la sueur de votre front. Donc évidemment, alerte sur le pouvoir d'achat qui s'invite dans la campagne présidentielle. C'était pas prévu, hein, non, il fallait parler de l'Europe, de tout ça. Mais à 3 mois de l'élection, c'est la préoccupation principale des Français. Ah bon, c'est pas l'immigration, c'est pas l'islam, c'est pas... Non, ça marche pas, ça marche plus, ça marche pas encore assez. Hein. Ils vont se dire, non attendez, ça va revenir, vous inquiétez pas, un petit à la Wagbar et ça repart. Mais là, pour le moment, non, on est dans le pouvoir d'achat et donc on ne peut pas emmerder les Français, faire que les pauvres haïssent plus pauvres qu'eux. Là, ils se rendent bien compte qu'il y a un vrai problème de fond, systémique, ils ne sont pas assez payés. Et les prix sont trop chers. Et ils ne peuvent même plus acheter un logement ou se loger décemment ou finir le mois. On revient à la case départ des Gilets jaunes, hein, quand même. Il faut voir en 2 ans le chemin qui a été fait. Hein. On a juste fait du surplace ou rétro-pédalé. La photo Covid, me direz-vous. Alors vous allez voir, le Covid a fait que les caisses de l'État sont vides, les trajectoires d'endettement sont juste exceptionnelles, mais tout va très bien, Madame la Marquise, 32%. En même temps, le tabouret, je pense, pourrait remettre un peu de stabilité dans tout ça. Là, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement volatile, ça pourrait très mal finir. Mais pour le moment, on a avril, on s'occupe avec le théâtre de marionnettes. Après, on rentrera dans le dur, l'inflation, la crise économique, les nombreuses faillites, puisque les aides d'État vont être débranchées, comme la campagne d'Arnaud Montebourg, donc ça va être compliqué. Oh! Je vois que vous appelez de vos voeux l'interview, bien sûr, de Bruno Le Rebon dans Le Parisien, Les Échos. Évidemment, il est là. Dès qu'on parle pouvoir d'achat, il arrive. Hop, il regarde où est Le Rebon. Et hop, Bruno Le Rebon. Ah oui, et oui, oui. Et là, exclusif, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, explique comment il est parvenu à s'entendre avec EDF afin de modérer la hausse des factures. Sacré Bruno. Bah oui, parce qu'en fait, l'électricité, l'énergie explose. Tout explose. Mais alors, sur EDF, c'est simple. Hein. C'est une entreprise d'État. Donc, le plan est facile. C'est de dire, écoute EDF, comme tu es gentil, tu vas vendre le mégawatt-heure à tes concurrents beaucoup moins cher que le prix du marché. En réalité, le prix du marché, ce serait 250-300 euros, hein, du mégawatt. Et là, l'État avait demandé 42 euros. Alors là, c'est EDF qui vend donc de l'électricité nucléaire à ses concurrents, moins cher pour que les concurrents ne fassent pas faillite, hein, et pour qu'il y ait un semblant de concurrence pour que Bruxelles ne vienne pas nous taper sur les doigts. Le problème, c'est que cette mesure coûte 8 milliards d'euros à EDF. Il dit, c'est pas grave, on éponge, nous dit Bruno. C'est pas grave, on éponge. Et puis, ils ont baissé aussi les taxes sur la production d'énergie. Hein. Là encore, un coût pour l'État, pour nous, de 8 milliards d'euros, 16 milliards d'euros pour aider des acteurs privés à continuer à essayer de faire des profits, sachant que c'est totalement artificiel, puisqu'ils ne produisent rien, ils achètent de l'électricité à un producteur qui est une entreprise publique, nationale, EDF. Mais l'Union européenne, Bruxelles, ah, ce serait trop facile de dire « Ah, mais c'est bien les services publics ». Non, 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 pas dans la tête d'un technocrate de Bruxelles. Non, non, c'est mal. Ce qu'il faut, c'est des acteurs privés, plein, qui font plein de petits prix avec de la dérégulation. Mais au moment où ça va mal, il faudrait que les contribuables mettent la main à la poche. Hein, et puis que les entreprises publiques se saignent jusqu'au sang pour que ça aille mieux. Et là, Bruno nous explique « Non, mais c'est un super truc qu'il a fait. » Parce que le mec est malin.
C'est pas n'importe quoi. À combien EDF revendra cette électricité nucléaire? Eh bien, avec Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, nous avons eu de longues négociations avec EDF. Tu parles. Voilà, et donc nous leur avons proposé de relever, alors lui il dit, on a proposé de relever le prix de vente de 42 à 46,20 mégawattheures, mais ils n'ont pas relevé, en vrai, le vrai prix de vente c'est 250 euros, 300 euros du mégawattheure, donc en fait tu les saignes à blanc, tu nous saignes à blanc, tu fourlères un autre service public important en plus avec du nucléaire qui va coûter extrêmement cher dans les années qui viennent, que ce soit la fabrication des nouveaux EPR, l'entretien des centrales. On a plusieurs réacteurs qui sont en arrêt pour maintenance parce que c'est compliqué. Au cœur de l'hiver, ça va, il n'y a plus d'hiver. Hein. Il fait 40 degrés en Argentine. Là, on a des températures. Mais quand même, là, on est en train de faire n'importe quoi. Et les mecs sont fiers d'eux. Hein. Et en plus, ils mentent donc aux Parisiens en expliquant qu'il a proposé de relever le prix de vente. Mais non! C'est du dumping, mais comme du jamais vu. Tout ça pour obéir à Bruxelles. Tout ça pour faire plaisir au chantre de la concurrence massive et de la fin des services publics. Or, les services publics, toutes les infrastructures, la production d'électricité, c'est nous qui les avons payés avec nos impôts pendant des années. Comme les autoroutes. Qui a payé les autoroutes? Nous. Qui s'en fout plein les fouilles? Les amis d'Edouard Balladur. Eh ben ouais, enfin à l'époque, hein, où ça avait été... mais c'est, enfin, parce qu'il avait été président aussi de la société du tunnel du Mont-Blanc. Enfin bref, c'est scandaleux. C'est proprement scandaleux ce qui se passe. Et on est là à dire, non mais ouais, c'est super, hein, c'est pour éviter que les Français payent trop cher. Mais le prix qu'on paye en réalité, avec ces 16 milliards de dettes de plus hein, pour une entreprise publique et pour le budget de l'État avec la baisse des taxes, ça ne reviendra jamais. Ça nous coûte beaucoup plus cher que si on avait un vrai champion de l'énergie publique avec des prix qui étaient défiant toute concurrence, puisque le coup, il n'y aurait pas de concurrence. Hein, et ce serait pas plus mal, puisque compte tenu du prix de l'infrastructure, du coût en fait d'entretenir un parc nucléaire national, on peut pas donner ça à la concurrence, c'est même dangereux. Mais non, les mecs continuent comme ça. Bon, comment être sûr que ce sera répercuté par les fournisseurs sur leurs offres? Oh, ce risque est identifié. Ouais. Pour tous les particuliers sans exception, même les 28% qui ne sont pas clients d'EDF, l'impact sur la facture sera automatique. Hein. Comme promis, elle n'augmentera pas plus de 4%. Pareil pour les 1,5 million de très petites entreprises, artisans, coiffeurs, boulangers, indépendants, qui sont au tarif réglementé ou sur une offre indexée sur le tarif réglementé. Mais comment les fournisseurs vont respecter cet engagement? La commission de régulation de l'énergie, la CRE, la CRE, aura la responsabilité de le vérifier 2 mois après la livraison des nouveaux volumes à tarif réduit. Un rapport fera état des lieux et nommera clairement les fournisseurs qui ont respecté leurs engagements et ceux qui ne l'ont pas fait. Libre aux consommateurs concernés de changer de fournisseur s'ils s'aperçoivent que les règles n'ont pas été respectées dans leur contrat. Mais qu'est-ce que c'est malin! Oh mais qu'est-ce que c'est malin ça! Qu'est-ce que c'est du foutage de gueule, bordel, quand même! Est-ce qu'il y aura un rattrapage en 2023? C'est ce qu'indique la CRE. Absolument pas! Il n'y aura pas de rattrapage conduisant à une nouvelle hausse l'an prochain. Ce sont l'État et EDF qui supporteront le coût de cette mesure. Vous, moi, nous tous. Pour que des faux acteurs de l'énergie profitent de ces prix sacrifiés, on va leur payer leur profit, comme d'habitude. C'est quand même super bien fait. Alors, cette décision ne va-t-elle pas affaiblir EDF? Ouais, quand même, hein, 8 milliards dans la gueule, quand même. C'est... Oh, l'État s'est engagé sur de nouveaux EPR. Nous lançons un nouveau programme qui donne des perspectives de développement considérables pour EDF. L'entreprise bénéficie par ailleurs aujourd'hui d'une conjoncture qui lui est favorable sur le marché de l'énergie. Bah, écoute, tu perds 8 milliards, mais tu bénéficies d'une conjoncture qui t'est favorable sur le marché de l'énergie. Tu pourrais dire merci, quand même. C'est ça, ouais, c'est ça. Non, mais j'imagine la négociation, quoi. Le prix du carburant, il a anticipé la hausse, pas de problème. Hein. Il y a l'indemnité inflation versée à 38 millions de Français pour un coût budgétaire de 4 milliards. C'est 100 balles. 100 balles pour que tu fermes ta gueule. C'est bien foutu. Hein. C'était la petit cadeau 100 balles. Jusqu'en mars, mais et après, qu'est-ce qui se passe après mars? Nous verrons où nous en serons dans les mois qui viennent. C'est-à-dire, dès qu'ils gagnent la présidentielle, c'est l'enfer. C'est, oh là 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 là, comme ils peuvent pas dire, on a récupéré un budget tout dégueulasse à cause de ceux qui étaient là avant, vu que c'était eux, si jamais ils gagnent, hein, ils vont dire, nous allons demander aux Français des efforts. Compte tenu de la difficulté qu'a été la crise du Covid, il va dorénavant falloir redoubler d'efforts pour rembourser la dette, bien sûr, travailler plus, évidemment, car il faut
produire maintenant. La France est dans le rouge. Il a fallu dépenser. C'était le quoi qu'il en coûte. Nous avons sauvé de nombreuses entreprises. Aujourd'hui, nous demandons un effort à chaque Français pour l'effort qui avait été fait par l'État lors de ces mois difficiles. Voilà, voilà ce qui va se passer. Si c'est eux qui gagnent, si c'est Valérie Pécresse qui gagne, dire « Il m'a tout salopé! Je récupère un budget tout dégueulasse avec en plus des trous partout, donc il va falloir faire des économies. Je vais demander aux Français un effort supplémentaire. Je sais que c'est difficile, mais il en va de l'avenir de notre pays. » Peu importe qui gagne à la course à l'échalote, sauf peut-être si c'est Mélenchon qui va dire « Bon, on va tout remettre à plat, jubiler de la dette et tout, on va se fâcher avec les marchés financiers et... Bon, préparer quand même des poulaillers partout hein, dans les villes et va falloir manger des œufs. Hein. Mais c'est la chronique d'une faillite annoncée, ce qui se passe. Les chiffres sont cataclysmiques en termes de dépenses publiques, en termes de dettes, en termes de chiffres de l'inflation, de la reprise économique. On est en train de... Alors, la BCE, la Fed, d'essayer de masquer une crise financière massive. Qui va, de toute façon, nous péter à la gueule à un moment ou à un autre, puisque ces bulles, c'est intenable. 2000 milliards de dividendes qui ont été distribués, c'est le plus haut jamais connu depuis la crise de 2008, et même avant. Enfin, c'est des sommes qui n'ont jamais eu lieu, alors que l'économie a été à l'arrêt avec le Covid. Enfin, on nage en plein délire. Alors, si vous avez des actions, si vous êtes actionnaire, si vous êtes milliardaire, si vous avez des médias, c'est super. Si par contre, vous avez un petit boulot au SMIC ou que vous êtes au RSA, même si vous ne le demandez pas, parce qu'il y a plein de gens qui pourraient bénéficier du RSA, mais qui ne savent même pas, là, ça va être très compliqué. Là, il va falloir commencer à penser à l'organisation survivaliste de la survivance des chaînes de solidarité locales, parce que ce n'est pas Bruno qui va venir vous aider. Donc voilà, c'est le scénario est écrit. Hein. On verra dans les quelques mois qui viennent. Sacré Bruno. Voilà, ça c'était pour l'interview, super, hein, l'interview pas cash du tout dans Le Parisien. Et puis dans Le Parisien, on rigole bien, hein, c'est pour ça que je commence toujours par ce journal, c'est le plus drôle. On nous parle de l'équipe secrète pour la candidature de Macron 2022. Alors elle n'a rien de secrète, hein, il s'agit des flèches de l'AREM, hein, Stan Guérini au Rocher, on retrouve Franck Riester, le secrétaire d'État, Modem, Sarah El Haïry. Formidable, des meetings hebdomadaires avec Alexis Kohler qui vient sur son temps personnel et pas sur son temps de travail hein, pour ne pas être attaqué parce qu'il a tellement déjà de conflits d'intérêts qu'il ne faudrait pas en rajouter un de plus. Donc là, il vient pour voir un peu comment gérer l'équipe de Bracassi en disant « Bon les gars, ça va, vous avez des bonnes idées ?»« Oui, oui, alors on a réfléchi donc au nom du comité En Marche de Vesoul. » c'est dans l'article. Hein. Et puis, voir un peu stratégie Élysée avant sa marcheur. Et puis, on va parler de la proposition en termes de sécurité. Bon, tout y passe. Hein. C'est une réunion importante. C'est l'instance d'orientation de la campagne. C'est très stratégique. Hein. Attention, ça, c'est vraiment... on rentre dans le concret. C'est même le poste de copilotage de la campagne. Hein. Et alors, qui dit ça? Là, c'est une source dans la confidence. Top, ça, c'est top. Dans ce huis clos où se dessine l'offensive se retrouvent Stanislas Guérini, Sébastien Lecornu, Grégoire Poton qui pilote la structuration de campagne, Paul Midi spécialisé des aspects financiers, le conseiller spécialiste de l'AREM, Jérôme Perra, la députée de l'Essonne, Marie Guévenou, le chef de la stratégie numérique, Christian Bonbrun, et last but not least, le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, le bras droit du président. Ils ont aussi débauché quand même une escadre de L'Oréal, hein, Domiti Fafin, qui va être directrice de communication. Elle était chez Shell et chez L'Oréal. Bon, là, elle s'occupe d'En Marche, c'est pareil. Hein, tiens, fais-moi des petits dessins avec du bleu, là, c'est joli. Hein, voilà. Et ils ont une thune, comme ils ont la majorité, donc c'est en fonction de ton nombre de députés que tu as de l'argent. Donc là, ils sont assis sur un trésor de guerre, alors que bon, ils ont peur, hein, y a plus personne. Hein, mais c'est pour ça qu'il y a la maison commune avec Horizon, le Modem, tout ça. Et voilà, donc on nous explique ça, c'est fou, oh là là, ça promet de grands moments. Hein. Et puis Valérie, alors Valérie Pécresse, chaque fois que tu veux une photo d'elle, je sais pas, t'as l'impression qu'elle est au bord du gaz, quoi. Ça va pas Valérie? Si? Si, je fais des punchlines. Bah alors, c'est quoi ta punchline là? Alors là, elle a sorti un truc... Ça n'a pas trop plu à l'armée, en fait. Parce que c'était une petite idée comme ça, pour tester un peu la température. Valérie a dit,
tiens, si on employait l'armée pour aider la police lors des opérations de lutte contre les cartels de la drogue dans les quartiers. Oui, mais non. Alors l'armée a expliqué... Alors, bon, sur le papier, le problème c'est que nous, on a des armes qui tuent. Hein. Donc quand on les utilise, on tue. Généralement, on n'a pas une réponse graduée, proportionnée. Hein. Donc si vous envoyez l'armée, bon, c'est quand même pas le... Alors que la police, ils ont le taser, ils ont le LBD, ils peuvent te mutiler avant de te tuer. Hein. Ils ont plein de degrés de mutilation avant la mort. L'armée, c'est pouf. Ah, ils bougent plus. Ouais. Mais en même temps, on n'est pas là pour... C'est pas du maintien de l'ordre. C'est de la défense, c'est autre chose. Donc c'est une très mauvaise idée. Et puis une armée qui commence à s'occuper des affaires publiques, alors là, on rentre dans quelque chose d'autre qu'un régime de démocratie libérale, hein, évidemment. Alors après, peut-être que Valérie a envie de revêtir l'uniforme de quelle sera la magistrature suprême, si jamais elle gagne. Pourquoi pas, hein, façon Kim Jong-un. Je ne sais pas. En tout cas... Très, très mauvaise idée. Non, pourtant, je... Non, le son est bon, tout est bon. Donc, mauvaise idée, l'armée dans les quartiers, Valérie, mais c'était quand même bien tenté. Et alors, laisser courir le virus, est-ce la bonne stratégie? Là, c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que Omicron serait le vaccin naturel? Alors, qui embêterait hein, Albert Bourla et Pfizer, mais qui quand même permettrait d'arriver à l'immunité naturelle entre tous ceux qui ont fait leurs trois doses et qui ont chopé Omicron, comme le ministre de la Santé. Alors oui, vraiment, je peux te dire, je pense que c'est il va donner son corps pour la science, parce qu'il a fait les trois vaccins différents, il a chopé, je ne sais pas si c'est le Delta ou Omicron, donc il est vraiment, c'est un surhomme. Hein. Vraiment là, on arrive à un degré de surhumanité jamais atteint. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il y a des mesures qui limitent, bien sûr, l'explosion des contaminations, puisqu'on garde le masque, les gestes barrières, tout ça. Les vaccins qui empêchent les formes graves. Mais quand même, on nous dit que la réduction des contacts est essentielle. Hein. L'idée, c'est quand même de voir le moins de gens possible, parce qu'on est au niveau du moment où on avait fermé en mars, hein, en termes de saturation. Et on n'est pas saturé, hein, y a du monde à l'hôpital, mais c'est les soignants qui disent « bon, vous tirez un peu sur la corde ». Là, on se rend compte qu'Omicron, c'est pas si pire, donc ça va. Mais le risque, c'est d'avoir Delta et Omicron en même temps, et de dire « mais comment on fait pour gérer les deux en même temps ?» Parce que ça va être très, 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 très compliqué. Attendez, où est-ce que j'ai... Non, c'est pas ça... c'est après, alors c'est dans le Figaro qui en parle davantage. Là, c'est juste un petit encart du Parisien. Mais le niveau monte, voilà. La moitié des lits en soins critiques sont occupés par des malades du Covid. Alors en soins critiques, pas en réanimation, attention. Mais la vague sera plus contenue que la première, voilà. On reste bien en deçà de la situation de la première vague où il y avait 7000 lits en soins critiques occupés par les patients Covid. Là, on en est entre 3900 et 6000 lits en projection haute. On n'y est pas encore, si on suit les courbes. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de raison d'être alarmiste, même si, attention, Omicron, c'est pas... Un petit virus, ça peut être virulent si vous êtes immunodéprimé ou si vous êtes voilà, si vous n'êtes pas le ministre de la Santé. Il faut quand même être en condition physique exceptionnelle, être triplement vacciné pour éviter voilà d'avoir un truc du genre quoi. Oui, en fait c'est pas une stratégie, c'est-à-dire qu'ils ont plus le choix. Hein, c'est les mecs ont dit bon. Compte tenu de 300 000, 400 000 cas par jour, je crois qu'on peut arrêter de faire semblant. Hein, oui. Arrêtez de faire semblant à ma droite, à ma gauche. Allez, adjugé, on arrête. On va laisser. C'est une bonne idée de laisser courir. Et d'ailleurs, les Anglais nous l'ont montré, même si Boris Johnson a trop fait la fête et que ça lui revient à la gueule. La grève dans l'éducation nationale hier, très suivie, hein, il y avait les chiffres comme d'habitude, hein, ça varie entre la préfecture, le ministère de l'éducation nationale et les syndicats. Moi, je trouve ça quand même étonnant. De dire ils font une grève, alors ils sont traités comme de la merde depuis 5 ans par leur ministre, hein, qui les méprise, hein, qui dit oh, « de toute façon, ils sont absents tout le temps, ils foutent rien, c'est nul ». Et là, ils sont contents de parler en disant oh, « on a renoué le dialogue ». Alors, faut voir la gueule du dialogue quand même. Les mecs, à la fin de la journée, donc ils voient Jean Cluster et Jean-Michel à peu près, qui leur disent « bon, c'est bon, on va recruter des intérimaires hein, ». Je suis pour 1300 ou 13300, je ne sais plus. Enfin bon, voilà. Et puis on va vous filer des masques FFP2. Voilà.
Et puis oui, puis ouvrez les fenêtres hein, avant que les purificateurs d'air arrivent au mois de juin, quand l'école sera finie. Et les syndicats se disent... Et, ah oui, puis on se revoit la semaine prochaine. Hein, on fera un petit point comme ça, hebdomadaire. Vous inquiétez pas, c'est un truc qu'on fait entre nous, tout ça. C'est quand même assez dingue. Je me dis, mais qu'est-ce que... Enfin, moi, j'aurais des syndicats comme ça, je serais très, très déçu. Hein. Je pense que c'est pas de la négociation, ça. C'est ni fait ni à faire. Hein. Le mec repart avec des masques en papier. C'est bon, j'ai des masques en papier. C'est pas ce qu'on voulait. T'aurais pu parler du point d'indice. T'aurais pu aussi dire éventuellement, tiens, quand est-ce qu'on va faire comme à Marseille un grand plan pour reconstruire les écoles, faire qu'elles soient étanches, hein, qu'il n'y ait pas d'eau dans les salles de cours, ce genre de trucs, quoi. Non, les mecs repartent avec des masques en papier. Bon, pourquoi pas ? Enfin, c'est étonnant, hein, ce principe de lutte sociale. Bon. Très décevant tout ça. On n'en parle pas trop parce que, bon, on s'en fout un peu. 150 000 espèces disparues en toute discrétion. Comme ça. Ouais, en... 4-5 siècles, entre 7,5 et 13% des espèces animales et végétales se sont éteintes, beaucoup plus que ce qu'on imaginait quand même. On se rend compte que, du coup, c'est pas l'extinction de masse d'un coup, ça arrive pas très vite, c'est sur 5 siècles. C'est notamment dû au fait de la diminution des zones humides, qui sont les marais, les marécages. Alors, évidemment, hein, c'est des zones où t'as les moustiques, t'as beaucoup de maladies, des choses comme ça, mais t'as aussi beaucoup de biodiversité, donc il faut gérer le bénéfice-risque, et notamment les libellules et plein d'autres choses qui sont en train de disparaître à vitesse grand V. Alors, vous avez les espèces qu'on voit disparaître, certains éléphants, des bisons, des gros trucs. Mais les invertébrés, les petits insectes, les trucs, on ne les voit pas, mais alors c'est une hécatombe. Et donc pour la biodiversité, bah c'est tant pis, hein, à la fin on finira entre nous, hein, entre les carnivores et les végétariens, et puis on verra comment ça se passe. Mais ça risque de mal finir. Quand il n'y aura plus que de l'humain à manger, c'est sûr, ça va être compliqué. Il restera de l'herbe, mais il y a toujours des carnivores. Hein. Des mecs, tu vois, quand tu as fait des milliards en bourse et tout, tu dis « Non mais attends, moi je peux acheter de la viande, j'achète de la viande. » Oui, mais quand même, c'est un humain. Oui, mais alors ? Et alors ? Il n'y a plus que ça. Hein, je prends ce qu'il y a, moi. Donc ça peut mal finir. En tout cas, il y a un débat après dans l'IB, je crois, sur Don't Look Up. Est-ce qu'un film, alors je ne sais pas si vous avez vu ce film avec Leonardo DiCaprio sur la comète qui détruit la Terre, tout ça, qui aurait fait une prise de conscience universelle, et puis en même temps qui dit non, c'est la société du spectacle poussée à son paroxysme, c'est-à-dire que même la fin du monde, la fin de l'espèce devient un divertissement comme un autre. Il y a tout un débat là-dessus, un débat assez animé d'ailleurs. Entre ceux qui l'ont trouvé super, ceux qui l'ont trouvé moyen, ceux qui disent que ça sert à rien. Bref, gros débat Don't Look Up. On aurait pu faire un débat sur Twitter dans ces petits chats en ligne. C'est typique le genre de truc où tu peux chauffer tout le monde. Voilà. Et puis, chapeau bas l'artiste, un nez de clown, pourquoi faire ? Bah pour s'en mettre plein les fouilles, l'escroquerie aux enfants malades. Le président des Nez Rouges à Limoges, qui, grâce aux dons, aux subventions, vivait beaucoup plus qu'avec un RSA. Hein. Notamment, le mec s'est acheté un Hummer. Le Hummer, c'est la grosse bagnole américaine, la Jeep de l'armée américaine. Il se payait des billets d'avion. Bref, il se payer des salaires aussi, ouais, mais on a des frais de fonctionnement super importants, et les enfants malades n'ont pas vu grand chose des Nez Rouges, donc là tu dis bah, c'est formidable. On a encore affaire à des champions de la captation de richesse. Et c'est vrai que souvent, les assos, t'as des petits problèmes de dire « Mais moi, j'avais fait une asso citoyenne. » Notamment, bah, la famille Traoré avait détourné pas mal d'argent comme ça, en se rendant compte que tu peux capter de l'argent, remplir des fichiers Excel, dire que tu as dépensé l'argent, et en fait le mettre de côté tranquillement, comme ce monsieur qui faisait l'association Nez Rouges à Limoges. Bravo à lui. C'est quand même en termes de on est haut, hein, parce que c'est quand même, tu t'occupes des enfants malades et tout, et le mec s'est dit non, tiens, je vais m'acheter une grosse bagnole avec. Jamais l'humain ne déçoit. C'est légendaire, ouais.
Bah voilà, donc vous, attention, il y avait l'ARC aussi. L'ARC, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour les plus jeunes, vous ne savez peut-être pas, c'était l'association de recherche contre le cancer, donnée à l'ARC. Et le mec de l'ARC s'était mis je ne sais pas combien de millions de côté en Suisse, au Luxembourg, évidemment pas pour la lutte contre le cancer. Par contre, il avait pu acheter, faire un peu de petite bascule dans l'immobilier, quoi. Mais Crosemary, merci, voilà, il y en a qui se rappellent. Donnée à l'ARC, c'était un sketch Ouais, mais oui, évidemment, lui il va prendre cher parce que c'est dégueulasse, quoi. Tu dis c'est une association pour les enfants, mais il y en a combien de trucs où tu donnes en disant ah, mais c'est pour construire un puits à l'autre bout du monde. T'es allé voir s'il y avait le puits? Il y a des photos, c'est Photoshop là, tu vois bien que c'est mal fait là. Il y a le pied, il est sur la pierre là. C'est ah bon, c'est ah bon, ah bah oui. Donc voilà, triste, donné à l'ARC, ouais, avec des sioux, donner des sioux. Et puis ce pourcentage, alors 76%, c'est le pourcentage de Français qui allaient au cinéma au moins une fois par mois. Eh bien, depuis la réouverture des salles en mai 2021, la moitié n'y est pas retournée, et notamment les plus de 60 ans qui ont peur, évidemment, de choper le Covid. Donc la fréquentation des salles, c'est un truc de jeunes, et il y en a de moins en moins. Et puis en même temps, c'est vrai que maintenant, les plateformes se sont dit « Avec le plan de cloche, c'est bien, on a tout dématérialisé. » Il suffit d'avoir un bon fauteuil, un grand écran, et fini le bruit du pop-corn derrière, ceux qui chuchotent, voilà, c'est fini. Le cinéma, bientôt, peut-être, un vestige du passé, le cinéma Paradiso. On n'aura plus rien. Mais oui, d'ailleurs, c'est l'anniversaire de Jul aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais c'est... Voilà. Et Soprano. Ouais. Comme ça, c'est en faisant la revue de presse, dans les échos, ils te disent, c'est l'anniversaire de qui? Et ils ont mis Jul dedans. C'est étonnant. Allez, on passe à Libération. Alors la Libération qui est content comme tout parce qu'ils ont alors Hidalgo duo à dos avec Taubira. Et puis samedi, Christiane va annoncer sa candidature à Lyon sur les pentes de la Croix-Rousse en rendant hommage aux canuts lyonnais, ceux qui se sont battus pour la liberté avant d'aller aux 20h de France 2, me semble-t-il, pour dire « Oui, j'ai décidé ». D'être candidate pour sauver ce pays. Mais à 3 mois des élections, Christiane, sans parti, sans programme, c'est quoi le plan? Parce que je peux le faire aussi, hein. Je peux aller à Lyon, moi, ce week-end, sur les pentes de la Croix-Rousse, dire, bon, j'ai pas été ministre de François Hollande, certes, j'ai pas non plus été au PRG, j'ai pas non plus voté le budget du gouvernement Balladur, j'ai pas fait tout ce que t'as fait, mais quand même, c'est pas très sérieux tout ça. Alors, il y a la primaire populaire qui est en embuscade. Alors, Hidalgo ne veut surtout pas la faire. Hein. Elle veut y aller, le PS veut la débrancher, c'est une lutte interne à mort. En fait, tout ce que vous voyez là, c'est le fait que le PS n'est pas refait de primaire cette année. Alors, ils n'ont pas voulu, ils ont mis « on met Hidalgo ». Tu avais ceux qui étaient d'accord et ceux qui n'étaient pas d'accord, qui voulaient Taubira, qui voulaient d'autres. Et donc, c'est voilà. Depuis, le PS nous bug la campagne. Alors, les médias appellent ça la gauche. Hein. C'était peut-être la gauche il y a longtemps de ça. Hein, à l'époque des radios libres, à l'époque voilà, où il y avait encore un sens un peu. Mais là, non, c'est des gens qui se demandent comment récupérer une investiture pour les législatives et s'assurer d'avoir encore un groupe parlementaire à l'issue de l'élection présidentielle à laquelle ils ne vont pas participer. Arnaud Montebourg, il y a un an, il était présenté par Paris Match comme l'épine dans le pied de Jean-Luc Mélenchon et sa campagne. Bon, ben voilà, les mecs sont à 2%, 1%, il n'y a pas d'idée. Enfin, si, quand il y en a, c'est des idées de droite derrière, ou alors des idées genre « Tiens, je vais augmenter les salaires x3 !» Mais c'est pas une idée, ça. Et alors, je fais ce que je veux. Je suis candidat, je dis ce que je veux. Et le titre, c'est donc Anne Hidalgo, la rose face au vent. Et oui, les nombreux vents qu'elle s'est pris, puisque sur la primaire, sur le machin, enfin, voilà. Il y a la marche arrière sur la primaire. Et donc, elle a présenté son programme jeudi, Anne Hidalgo. Oui. Mais elle a dû... Ben voilà, c'est invisible. Et puis, pour éviter le râteau, donc Anne Hidalgo a donc présenté un programme qui ratise large. Salaire, écologie, bien sûr, avec des exemples pris d'Allemagne, d'Espagne, des pays sociodémocrates, puisqu'on parle là de la social-démocratie, le cœur battant de la social-démocratie, ou ce qu'il en reste. C'est très compliqué pour eux d'exister. Et donc voilà, encadrement des salaires...
y a pas, y a, enfin, y, on n'a pas vu passer grand-chose. Et pour Christiane, eh ben, pour qu'elle renonce, Christiane mise sur un plébiscite à la primaire populaire. Primaire populaire qui est une start-up politique, en fait, qui emploie 16 temps plein, qui a eu de l'argent, donc on ne sait pas d'où il vient cet argent. Donc il faut un peu lever le voile sur cette primaire populaire qui ressemble quand même fortement à une primaire du PS organisée par une start-up qui rassemble des amonistes, des anciens macronistes, des Hollandais, enfin c'est tout le PS qui est là-dedans, pour faire sa primaire. Alors Jadot veut pas y aller non plus, et on le comprend, et donc il y aura peut-être un effet Taubira. Et le maire de Marseille, Benoît Payan, qui est un maire socialiste, dit qu'il soutiendra celle ou celui qui sortira vainqueur de la primaire. Oui, donc vous ne soutiendrez pas Hidalgo. Je soutiendrai celle ou celui qui sortira vainqueur de la primaire. Et je ne donnerai pas mon parrainage, ou je ne le donnerai qu'à la femme ou l'homme qui en sortira majoritaire. Voilà, on en appelle tout le temps aux citoyens, et quand ils prennent des initiatives, on leur dit « ça ne nous intéresse pas ». Enfin, c'est pas non plus... Bon, est-ce que vous en avez parlé à Olivier Faure ? Bien sûr, oui, bien sûr. Oui. Bon, et ben voilà, super. On est bien. Et puis Libé qui fait le point sur les faux passes sanitaires. Regardez, on a l'impression d'être dans Squid Game ou Mr. Robot, avec cette illustration d'un QR code masqué, les vendeurs de passes sanitaires. Alors il y a un bug dans le système, hein. Il suffit d'avoir le code d'un médecin, de l'utiliser pendant 2 heures et vous pouvez rentrer plein de faux passes à partir du moment où vous avez les informations des gens qui veulent leur faux passe, numéro de sécu, etc. On estime à plus de 200 000 les faux passes en circulation. Ça génère de l'argent, hein, parfois jusqu'à un des mecs qui a été pris avait essayé de blanchir via Winamax 360 000 euros. Donc le mec récupère l'argent, achetait des tickets Winamax et les sortait en disant que c'était des gains au jeu pour pas se faire choper sur la fabrique de faux passes. Il s'est quand même fait choper, mais c'est devenu un truc rentable avec plein de bons plans où les mecs font du faux passe. C'est devenu un nouveau business juteux, assez exceptionnel. Et donc, attention, parce que Gérald Veil, hein, c'est devenu maintenant une des préoccupations premières du ministère de l'Intérieur. Oui, c'est le faux passe. Hein. C'est le faux passe. Le sens des priorités, quand même, c'est quelque chose. Voilà, les faux QR codes, imitation, renvoyant vers aucune information, inutilisables, les vrais faux certificats. Enfin, il y a plein de façons, hein, de le faire. 435 enquêtes judiciaires sont ouvertes sur l'ensemble du territoire. Des réseaux sont identifiés, pouvant générer plusieurs milliers de faux passes sanitaires à la journée, revendus sur les réseaux sociaux. Et puis, l'assurance maladie a recours à des techniques d'analyse statistique plus poussées pour identifier les fraudeurs. Et déjà 223 actions contentieuses concernant 795 individus ont été mises en place, très loin toutefois du nombre de faux passes en circulation. Comme pour la drogue, le trafic de faux passes est segmenté entre fournisseurs, rabatteurs, intermédiaires et clients prêts à débourser entre quelques dizaines et plusieurs centaines d'euros. Puisqu'à Lyon, qui est une grosse plateforme de la fabrication de faux passes, vous pouvez acheter des faux passes pour le prix d'un kebab. Il y a du low cost, hein, il y a du pass low cost, ou alors ça peut aller jusqu'à beaucoup plus pour certains trafiquants. Et puis bien sûr, il y a le principe des repentis. Si on te prend la main dans le sac mais que tu acceptes de te faire piquer par du Pfizer, c'est bon, tu n'iras pas, tu n'auras pas de casier et tout sera pardonné. Voilà, la folie dans laquelle on baigne quand même, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Tout ça pour ça, hein. Alors que bon, l'Espagne va traiter Omicron comme une grippe, mais bon, c'est pas grave. Et puis, les odeurs peuvent vous mettre hors de vous-même. Pourquoi je parle des odeurs ? Parce que ce week-end, au-delà de la candidature de Christiane Taubira, vous aurez aussi le meeting en odorama de Jean-Luc Mélenchon. Alors 3D, odorama, l'insoumis essaye tous les systèmes possibles et imaginables. Et l'odeur apparemment est toujours sous-estimée. Alors qu'elle peut provoquer des sentiments profonds, notamment la mémoire, hein, qui est souvent liée à des souvenirs olfactifs. Et donc on peut toucher encore plus fort lors d'un meeting politique avec des odeurs. Alors ça dépend ce que vous diffusez comme odeur, attention, hein, ça peut être un faux pas majeur.
et puis bien sûr la place des parfums qui était du domaine des dieux, herbes, épices, encens, et puis le reste qui était lié à la putréfaction et au corps. Voilà les odeurs qui composent un peu la psyché humaine. Donc voilà, à faire attention. Oui, il y a du monde ce matin, merci beaucoup, n'hésitez pas. Bien sûr, à vous abonner via Prime sur ce stream que vous découvrez peut-être pour beaucoup d'entre vous, à partager le lien et aussi via Patreon ou sur YouTube à faire connaître cette chaîne. On a besoin de votre soutien et du bouche-oreille, c'est ce qui marche le mieux. Donc votre partage sur les réseaux sociaux, c'est super important pour cette revue de presse quotidienne à 9h, la revue de presse du monde moderne. Vous voyez, hein, on est bien, on prend le temps, on déroule, et puis voilà, on parle de sujets, de choses et d'autres, et vous êtes de plus en plus nombreux, je vous en remercie. Donc, merci à vous. Le quatrième cavalier, pénurie de gel, pour... oui, ça va, c'est vendredi, pas mettre, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Timmy, vous voulez Timmy, il arrive, mais il bosse lui. Non. il fait des concerts à la mine. Tic, 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 le bruit de sa pioche, vous êtes grave. Voilà, tiens. Puisqu'on en est là, puisque la caméra marche. Voilà, ça fait, c'est plus déstructuré, voilà. Hein. Alors, Omicron, serait-ce l'espoir de sortir enfin de la pandémie, nous demande le Figaro. Est-ce que ce serait enfin l'espoir? Alors oui et non, hein, vous allez voir. Oui, parce que Omicron devient majoritaire à Paris hein, par rapport au Delta, qu'il n'est pas létal comme l'a été le Delta ou la souche de Wuhan, enfin le premier, enfin celui qui n'avait pas de nom. Mais quand même... les hôpitaux sont quand même mis à l'épreuve avec, vous voyez, le nombre d'hospitalisations qui est à 23 889. On est sur les fourchettes hautes des vagues précédentes. Excusez-moi, ça fait plus d'une heure que je parle, j'ai la gorge sèche. Et 3 985 qui sont en réanimation. Alors, là encore, les chiffres ne permettent pas de savoir si c'est la réanimation ou les lits de soins. Ben voilà, c'est des chiffres, des gros chiffres, mais qui montrent que ça monte quand même. Super spreader, alerte! Et là, t'as la brigade vaccinale de BFM qui va arriver. Attention. Voilà, à Paris, très peu d'Omicron en réanimation. Hein, c'est le Delta qui reste quand même le truc voilà, un peu chaud. Et donc, on voit que Omicron prend le dessus sur Delta en région parisienne. C'est pas le cas dans d'autres régions où il arrive plus tard. Mais globalement, la bonne nouvelle pour beaucoup d'épidémiologistes, c'est que Omicron va flinguer la souche Delta et qu'il est beaucoup moins dangereux. Et que donc, comme en Espagne, on va pouvoir commencer à sortir des conseils de défense sanitaire, de la guerre où on coupe des galettes, pour rentrer dans une gestion tout simplement d'une épidémie saisonnière de grippe, hein, qui s'appellera le Covid ou pas, mais on va peut-être enfin pouvoir passer à autre chose. C'est ce que veut montrer la Grande-Bretagne, en disant voilà, nous on n'a rien fermé, on n'emmerde personne avec des passes vaccinales, Boris Johnson fait la fête quand il disait aux gens de rester chez lui, donc il est un peu dans la merde à cause de ça, mais globalement, le pays a le... Ben voilà, ils l'ont tous. Le NHS, où déjà les hôpitaux sont pas en super forme, n'a pas craqué. Donc ils se disent, allez, c'est bon, on va faire tourner l'économie, parce que quand même, c'est ça qui compte. Hein. Donc voilà. Donc on en est un peu là, sur cette vague omicronesque de pas savoir qu'est-ce qui va se passer. Et puis, cette information qui... Waouh, super importante quand même. Édouard Philippe, faudrait pas qu'on l'oublie. Cruello, vous savez, l'homme à la barbe noire et blanche qui a éborgné sans compter les manifestants gilets jaunes, eh bien, il est au Havre, hein, il est maire du Havre, il est aussi un peu, il pantoufle un peu chez Athos, et puis il a fait un parti qui s'appelle Horizon. Alors, tout le monde a oublié, mais là, ce week-end, quand même, il va lancer des comités régionaux, et puis il aimerait bien peser dans la campagne. Mais attention, entre lui et Emmanuel Macron, plus rien ne va.
il ne s'aime plus du tout, parce que Macron voit bien qu'il lui veut sa place, Cruello. Il voit bien qu'il prépare 2027 avant même que 2022. Donc c'est pas lui qui va lui dire que c'est qui qui va être sa majorité, une fois qu'il sera élu, Macron, s'il est élu. Hein, puisque quand même, je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là au début, qu'on en est là quand même. Hein, c'est voilà. Hein. Donc rien, si jamais ce week-end le Tabouret lançait sa campagne, non pas peut-être en Bretagne, tiens pourquoi pas, à Brest, le Tabouret à Brest devant la mer lance sa campagne seul, sans aucune caméra, sans aucun média, et pourtant voilà c'est écrit, un Tabouret se lance dans la folle course de l'élection présidentielle. Y arrivera-t-il? Qui sait? En attendant, en embuscade, il retrouvera Édouard Philippe, qui alors il avance hein, malgré les embûches. Alors faut voir la tête des embûches. Les dernières photos qu'on a de lui, il était hilar avec des sénateurs au Sénat sur une belle table dressée avec une nappe blanche et des couverts en argent, avec Maluret, avec d'autres sénateurs, à se marrer entre la poire et le dessert. Donc c'est sûr, c'est un boulot qui est prenant. Hein. Faut donner de sa personne. Hein. C'est quand même un sacré boulot. Voilà. Donc c'est les embûches. Attention les embûches. Malheureux les embûches. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Attendez. Et puis voilà, je vous parlais tout à l'heure de comment ça va se passer un peu le scénario du mec qui va gagner ou de la nana qui va gagner, qui va dire mais enfin, il a refait la déco de l'Élysée, c'est tout moche. Et alors pour les comptes publics, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que je fais avec ça? Regardez cette petite barre rouge là qui monte très 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 haut, c'est les dépenses publiques, hein. C'est le quoi qu'il en coûte. Hein. C'est le fait que votre enfant va devoir donner un rein dans les 5 à 10 prochaines années pour rembourser la dette, puisque un organe c'est toujours ça de prix pour rembourser la dette. Mais donc on est quand même dans des. Enfin, c'est du jamais vu. Hein. Même 2008, on n'avait pas fait ça. Vous avez ensuite les projections. Mais je me cache parce qu'il faut quand même que vous voyez ça, c'est assez impressionnant, du déficit public. Hein. Vous voyez, qui a sauté, quand même, qui fait un bond, c'est quasiment une fusée SpaceX. Hein. C'est quasiment vertical. Ça, c'est le déficit public. Et puis la dette publique, alors là, c'est pareil, c'est le coup de... On va dans les étoiles. Alors vous avez en rouge, là, c'est la projection du gouvernement qui dit non, vous inquiétez pas, on gère. Et puis vous avez quand même, la dette publique, le scénario macroéconomique du gouvernement, la projection des dépenses de l'Institut Montaigne. Bon, l'Institut Montaigne, c'est sûr, hein, ils sont pas non plus... Bon, ils aiment pas la dette. Parce qu'ils disent, non, mais après, c'est compliqué, tout ça. De toute façon, c'est pas nous qui remboursons. Mais quand même, ça fait tâche, notamment vis-à-vis de l'Union Européenne, de dire, mais comme l'Union Européenne, elle aime bien Macron, ils disent, non, c'est bon, les 3%, t'oublies, tu fais ton truc, va, fais ton truc, mange ta galette, profites-en, va, gars, il te reste... vas-y, hein, tu peux encore jouer. Et si Valérie gagnait, pareil, je pense qu'elle aurait quelques largesses en fait pour atterrir au bout de 5 ans en supprimant 150 000 postes dans la fonction publique, en faisant plus de 30 milliards d'économies. Alors comment, je ne sais pas, mais c'est toujours trouvable, hein, y a toujours des poches d'économies à faire. Mais globalement, voilà l'état du pays. C'est sûr que celui qui va récupérer le pays en avril, ou celle... Ça va être compliqué. C'est pas un truc qui va se faire comme ça, genre ça y est, j'ai gagné. Non, non, il va falloir gérer ce qu'a fait Macron. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ah bah il a fait le quoi qu'il en coûte. Mais c'est quoi? Demande à Bruno. Ah bah non, il est parti. Bruno. Il est parti. Ah bah, c'est con parce que c'est lui qui savait. Ah bon. Donc voilà. Évidemment que. Non mais les milliardaires ne. S'en foutent globalement. Je vous ai dit 2000 milliards de dividendes. Les banques qui vont verser 85 milliards également. Le rachat d'actions qui booste comme jamais. En termes financiers, ça va très bien. En termes de finances publiques, ça va très mal. En termes d'économie réelle, ça va aussi pas super super. Mais bon, il y a le Covid. Hein, qu'est-ce que vous voulez? Bon, il y a le Covid. Il faut faire un pass vaccinal. Les mecs ont passé quand même plus d'une semaine pour voter une loi qui sert à rien. Alors il y a des niches parlementaires qui servent à quelque chose, puis il y en a qui vraiment tu te dis mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Quel est le but, avoué, non avoué en fait, d'en arriver à un truc pareil? Je ne sais pas, voilà, Timmy, t'as une idée?
Bonjour les amis. Je sais que vous me réclamez tous les matins, mais je ne peux pas venir chaque matin, car figurez-vous que avec le nouveau format imposé de travail à la mine, de plus de shift de 24 à 12 heures, ça m'est impossible en fait de dormir plus de 2 heures d'affilée par tranche de quart, donc c'est extrêmement compliqué. Bon, alors, grâce aux drogues synthétiques actuellement qui sont utilisées sur les enfants pour voir si ça fonctionne, on tient le coup. Je vous remercie d'ailleurs. Je remercie d'ailleurs le président de l'association des Nez Rouges de Limoges qui n'a rien fait, qui n'est pas venu nous voir, notamment pour les enfants qui souffrent de pneumonie liée à l'exploitation de l'uranium. Mais tout va bien, ne vous inquiétez pas. Je pense à vous, bien sûr, et j'espère bientôt pouvoir vous voir plus longuement lors d'un Matakala ou une autre émission du Monde Moderne. En tout cas, merci à tous d'être toujours présents. Et Pourquoi tu rigoles? Parce que tu me fais rire, Timmy. C'est assez génial. Bon, voilà, bonne journée. Bah, bonne journée. Oui. Bonne journée productive. Oui, oui, absolument. Oui, oui, c'est important. Et à bientôt et bon week-end pour ceux qui ont un week-end. Merci Timmy. Merci. Et voilà. Et ben voilà. Peut-être Timmy prendra-t-il parti dans la campagne du tabouret 2022. Qui sait. Lui va bosser. Vous entendrez ses petits sons de pioche comme ça au fond de la mine. C'est grâce à lui, si ce pays tient, c'est grâce à tous ces invisibles qui travaillent en silence. Voilà, c'est ceux-là hein, que Macron aime, à qui il pense quand il découpe sa grosse galette pleine de beurre. Ah là là, qu'est-ce qu'on est bien. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette semaine, encore une fois, aussi nombreux, la revue de presse du Monde Moderne. On n'arrête pas le travail. Vous pouvez, hop, c'est là, nous aider sur Patreon donnant 5 euros, 1 euro, 30 euros, 1000 euros par mois, ou pas. Vous avez des mugs, vous avez des t-shirts, vous avez ensuite, bien sûr, l'élastique à chibre du Monde Moderne dès que vous êtes un de nos heureux sponsors. Pour le récupérer une fois votre obol donné à Patreon, c'est très simple. Il suffit d'envoyer une enveloppe timbrée à votre nom et adresse à l'adresse du Monde Moderne qui s'affiche devant vous. Voilà, au 112 avenue de Paris, CS 60002 94 306 Vincennes, CEDEX. Vous êtes déjà nombreux à avoir reçu ce merveilleux sésame qui protège de tout à peu près, hein, qui brille dans la nuit quand même, c'est pas mal. Et je dois dire que voilà, je n'ai reçu que des avis d'utilisateurs extrêmement satisfaits, donc n'hésitez pas, c'est fait pour vous. N'hésitez pas aussi à parler, bien sûr, de cette revue de presse, ça coûte rien. Vous abonner sur les réseaux aussi, notamment YouTube. On essaie un peu de grimper dans les algorithmes parce qu'il va falloir le faire pendant cette campagne présidentielle qui promet hein, d'être aussi goûtue qu'une énorme galette au beurre dans le palais de l'Élysée. Et puis chaque matin, oui, il faut que je soigne mon rhume. Vous inquiétez pas, j'ai été testé hier, tout allait bien. Donc je tousse parce que je parle depuis 1h15. Vous inquiétez pas, c'est normal, c'est la gordesse. Moi je trouve ça tellement beau. Tiens, je vous la remets. Allez, on va pas se quitter sans cette tragédie. La menace du variant Omicron, très très contagieux. Nous le freinons aujourd'hui avec succès, je le dis. Le vaccin, lorsque vous êtes en jour de votre passe, il réduit de 85% le risque d'infection, y compris à Omicron. 85% de risque d'infection en moins. J'ai la gorge qui est sèche, rassurez-vous, au bout d'une heure et demie, c'est pour ça que je toussote. Merci. Ce matin, il a ressenti des premiers symptômes légers, autotest, puis test antigénique, et les deux se sont révélés positifs. Alors vous avez vu le concert de Maggie en même temps, c'est assez énorme. En tout cas voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça. C'est pour ça que je vous dis chaque matin, ne prenez pas tout ça trop au sérieux. Preuve en est, il n'y a pas de quoi prendre ça trop au sérieux. Prenez soin de vous surtout, hein, soignez-moi ces vilains rhumes. Allez vous faire mettre des cotons-tiges dans le nez, c'est important. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais il y a une filière française du coton-tige, enfin du test, de l'autotest, qui est très contente, hein, qui en vend plusieurs millions, qui est prête pour que ça dure longtemps, en disant que même ce principe de l'autotest pourrait
devenir pérenne, non pas pour le Covid, mais pour d'autres maladies, d'autres choses qui seraient finalement à prendre en compte. Donc c'est un marché qui s'ouvre, le marché de la narine, enfin de l'autotest en général. Pour le reste, c'est sûr qu'il y a des gamins qui ont des narines comme ça, enfin, on commence tous à en avoir très marre. Hein. Voilà. Heureusement, on va commencer à parler campagne présidentielle, on va commencer à parler sondage, on va commencer bien sûr à parler de quoi ? D'idéologie politique ? Enfin, c'est pas vrai ça. En tout cas, voilà, c'était la dernière de la semaine. On n'a pas fait 1000 par jour. Antoine n'a pas tenu cet engagement hier. Il était à 800, je crois, quelque chose comme ça. Donc il faut aider Antoine quand il fait la revue de presse, si vous voulez nous voir un jour dans son jacuzzi, puisque le pari, c'est d'être à plus de 1000 pendant une semaine. Puis voilà, on fera des petits paris comme ça. Là, vous voyez, on n'a pas tenu le pari. Donc, je compte sur vous pour la semaine prochaine. Je sais, c'est le week-end. Ça va être long hein, parce que vous êtes accro à cette revue de presse. Mais vous allez voir, ça va très bien se passer. Il y aura Christiane sur les pentes de la Croix-Rousse. Valérie va sortir des trucs. Sans doute, Manu va faire une sortie ou prépare ses prochaines sorties pour aller voir des Français en dehors du bunker. Donc vous n'allez pas vous embêter, vous inquiétez pas. Et puis c'est bien le week-end aussi de déconnecter, hein, d'oublier un peu ce cirque médiatique. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Je vous remercie d'être toujours fidèle à la revue de presse du Monde Moderne. Et je vous dis à lundi. Ciao. Salut Timmy. Salut tout le monde. Ciao.